Alors j'appelle le service de nettoyage pour qu'il me mette de l'ordre ici. Pour le prochain client. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Monsieur Général Tutubatio. Personne n'a provenu en cas de besoin. Ok, j'appelle cette personne. Maman Nangai. Ah bon, hein? Oui, allô? Oui, bonjour. Il y a un monsieur du nom de Général Tutubatio qui a oublié sa carte d'identité dans une des chambres de mon hôtel. Oh, 6000 siens. Ah bon? Où ça? De quelle heure à quelle heure? C'est un hôtel 10 étoiles. Il a pris la chambre hier nuit, de 18h à 7h. Et c'est ce matin où il a libéré la chambre. Ok, on arrive là-bas. Ça marche. Ça va chauffer maintenant. C'est ça qui? J'espère qu'il n'y a pas de décès quelque part là-bas. Hein. Maman, ça veut dire que tu es où la nuit? Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Moi, c'est quelle question ça? Je t'ai dit que j'étais au boulot. Ah non, non, c'est pas vrai. Hey, maman, j'ai travaillé même toute la nuit, j'étais au boulot en train de travailler. On dirait que c'est moi seul, je suis dans cette entreprise-là. Le boss, il rentre, voilà, dossier par-ci, dossier par-là. Hey, monsieur Tutubatio, faut traiter le dossier de monsieur Gabore, faut traiter le dossier de monsieur Koulibaly, faut traiter le dossier de monsieur Traoré. J'ai traité tous les dossiers, on dirait que j'étais seul. J'ai travaillé jusqu'à moi-même, je me cherchais, de 18h jusqu'à 7h du matin. Et je suis sorti pour aller boire café, pour devenir continuer encore. Hey, j'ai travaillé. Quand tu parles, aie pitié de celui qui t'écoute. En tout cas, on vient de m'appeler que tu as oublié ta CNIB dans un hôtel. Tu peux m'expliquer un peu? Tout est gâté. Ça, je parie que c'est mon collègue. Je suis sûr que c'est lui. Il s'en fait quoi dans l'hôtel avec ma carte d'identité? Il est venu me voir la dernière fois que moi de lui prêter ma CNIB. Et il est parti rester dans un hôtel. Il a oublié ça là-bas. Je suis sûr que c'est lui. Tout à lui, il est dans les hôtels. On est venu travailler. Lui, il va de hôtel en hôtel. C'est lui. C'est pas clair cette affaire-là. Depuis qu'on prête son identité à quelqu'un. Mon magyar. Voilà, tu me prends pour une idiote. Hein. Y'a pas le gars. De toutes les façons, il faut rentrer à manger le repas là. Je suis pas au marché, puis je reviens venir préparer encore. Tu as mangé. Rentre à manger. J'arrive. Ça, c'est mon moyen, pas mais. Il préfère mourir de faim que de manger toi ta nourriture.